شأن صناعي آخر، يعتزم مجمع بالي المتخصص في الصناعات الغذائية اقتحام إنتاج الأجبان والحساء الجاهز بنوعية السائل والجاف قريبا. خطة للتوسع تأتي بالتزامن مع طرح المجموعة التي تتخذ من ولاية البويرة مقرا لها تشكيلة واسعة من الصلصات الغذائية والتوجه نحو التصدير لأسواق آسيوية بصلصات مكيفة، يقول توفيق زعرور في هذا الروبورتاج. 18 نوعا من الصلصات والكاتشاب يطرحها مجمع بالي ليعزز بها السوق الوطنية عشية شهر رمضان الكريم، وهي منتوجات بمواصفات دولية خالية من المواد الكيميائية والمضاعفات. Cette usine de sauce, elle s'étale sur une surface de 5 hectares. Et elle nous permet d'avoir en premier, donc dans la première phase, une capacité de production de 5 tonnes par heure. Et dans 3 mois, on va passer à 12 tonnes par heure. On a les produits de lancement, c'est les produits mayonnaise avec plusieurs variétés. La moutarde également, fabriquée avec la base de graines de moutarde. Et les produits ketchup fabriqués avec des tomates à base de tomates. Ça, c'est juste les 3 sauces de démarrage, mais l'objectif est que d'ici 3 mois, on arrive à produire nos 18 sauces, donc toutes les sauces ethniques algériennes avec ces variétés, la samouraï, la beguille, etc. بعد الاستثمار في الفلاحة والفندقة والسياحة، ها هو مجمع بالي يقتحم مجال صناعة الأجبان ومشتقاتها بالإضافة إلى الحساء بنوعيه الجاف والسائل. Le complexe des sauces de l'Hachemia à Bouira s'étale sur 5 hectares avec 6 bâtiments de production. La mayonnaise, ketchup et les différentes sauces, elles n'occupent que un seul bâtiment. Et on a 5 autres bâtiments qu'on va inaugurer tous les 4 à 5 mois. Donc il y a tout ce qui est fromage pour pizza, les soupes, les différentes soupes, on poudre les soupes liquides, donc, et d'autres projets qui vont voir le jour avant fin 2019. ولأن صلصات الهاشمية صنعت وفق معايير دولية، يستعد مجمع بالي لمنافسة المنتوجات الأوروبية وبأسعار تنافسية بعد افتكاك أسواق أوروبية. Des sauces spécialisées pour l'export. Par exemple, pour les Émirats, ils ont besoin de sauces chili très, très hautes. Donc, on peut fabriquer ces sauces-là. Pour la Thaïlande, on a des sauces spécifiques pour les plats locaux, puisqu'on a nos distributeurs. Donc, on va travailler avec eux pour essayer de faire 70% de notre production pour l'exportation. On va commencer doucement à partir du fin Ramadan, donc après l'Eid, Inch'Allah, et on va aller crescendo pour augmenter nos capacités d'export. Ou les 2 points qu'il faudra vérifier, c'est que nos recettes ont été élaborées dans un pays européen qui est l'Allemagne, donc avec donc toutes les recommandations que les pays européens cherchent, donc on est conforme aux réglementations européennes, donc il n'y a aucun obstacle pour nous d'exporter nos produits avec 30 à 40% de prix en moins par rapport aux produits qui sont fabriqués en Europe, donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas exporter en Europe. توسيع استثمارات مجمع بالي في مختلف المجالات سيسمح بتوفير آلاف مناصب العمل، وتضمن توفير العديد من المنتوجات المحلية، مع طموح الشركة بلوغ حجم استثمار مقدر ب 20 مليون أورو محلياً.